amis de Teleati, Orange, Free, Akadiou, nous là pour peupler le ciel, nous là pour parler de bon Dieu. Bonjour à tous, bonjour chers amis internautes, bonjour chers amis qui nous suivez, chers amis qui êtes connectés ce matin, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous fasse du bien. Voilà, je tenais à faire une petite vidéo pour pouvoir encourager chacun de nous, tel que le Seigneur nous l'ordonne, nous le recommande. Les temps sont propices pour le faire. Donc, faisons-le. Fortifions-nous les uns les autres. Encourageons-nous les uns les autres. Bénissons-nous les uns les autres. Remettons-nous en question, rapprochons-nous du Seigneur. Alléluia. Avant vraiment de poursuivre, bénissons le Seigneur ensemble justement. On entend beaucoup de choses autour de nous, il y a beaucoup de paroles négatives, il y a de l'agitation, il y a le langage de la peur qui est entendu par chacun de nous. Nous entendons des mauvaises nouvelles. Mais le Seigneur, lui, nous a fait des promesses. Pour nous qui croyons, pour nous qui avons été rachetés à un grand prix par Jésus-Christ, pour nous qui lui appartenons, nous pouvons nous fortifier dans ses promesses. Nous ne devons pas perdre de vue que le Seigneur nous a fait des promesses et qu'il sait les accomplir au temps convenable. Que son nom soit loué, que son nom soit béni. Alléluia. Donc, prions le Seigneur ensemble. Remettons ces instants, bénissons-le ensemble, vraiment là où vous êtes, que vous puissiez vous joindre à moi dans un temps de louange. Alléluia. Tendre Père, nous te bénissons pour ta fidélité. Nous te bénissons pour ta grâce. Nous te bénissons pour ton amour. Seigneur, tu nous ordonnes, Seigneur, de te rendre grâce, de nous réjouir en tout temps en ta présence. D'être toujours joyeux, tu nous ordonnes de te louer, Seigneur, et cela, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. David l'avait compris, Seigneur, et que même au travers des situations difficiles, au travers d'un temps de détresse, d'agonie de son âme, il s'est fait violence pour te louer, pour reconnaître tes hauts faits, pour choisir de reconnaître tes hauts faits. Et ce matin, en ce jour nouveau que tu nous donnes, Seigneur Dieu, je prie afin qu'il soit donné à chacun de nous de faire ce choix de te louer, de faire ce choix de tourner, alléluia, ses regards, que chacun puisse tourner ses regards vers tes hauts faits, vers tes bienfaits, vers les merveilles que tu as créées, les merveilles que tu as faites dans nos vies et autour de nos vies. Parce qu'il y a des merveilles que tu as faites, Seigneur, en grand nombre. Et nous voulons te bénir pour cela, Seigneur. Béni soit ton nom. Loué sois-tu pour tout ce que tu as créé. Tu as fait le soleil pour présider au jour. Tu as fait la lune et les étoiles afin qu'elles président à la nuit. Ta miséricorde durera toujours, Seigneur. Tu nous as racheté un grand prix. Alléluia. Tu as eu compassion de nos vies, Seigneur. Alléluia. Tu nous as attirés. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous as attirés à toi. C'est toi qui as su nous convaincre en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, et nous tenons à te bénir ce matin. Nous tenons à te bénir, Seigneur mon Dieu, de nous permettre d'avoir encore le souffle de vie. Nous pouvons nous tourner vers toi. Nous pouvons, Seigneur, nous adresser à toi. Et nous venons dans ta présence, Seigneur, vraiment nous humilier, nous abaisser, Seigneur, devant toi, Seigneur. Nous croyons que tu nous reçois au travers du sang de Jésus-Christ. Tu regardes chacun de nous au travers du sang de Jésus-Christ. Et nous te bénissons pour l'œuvre puissante et glorieuse accomplie, Seigneur, à la croix, pour chacun de nous, Seigneur. Béni soit ton nom. Loué soit ton nom encore, Seigneur. Loué sois-tu pour ton esprit. Tu nous as donné ton esprit. Tu as dit que tu ne nous laisseras pas orphelins, que tu nous donnes ton esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui est fidèle, qui est bon pour nous conduire, nous soutenir, nous inspirer en tout temps, en toute situation, dans ta vérité, Seigneur.
dans ce que toi tu veux pour nous, dans ta volonté parfaite, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Alléluia. Ce matin, nous réclamons le sang de Jésus-Christ sur nos cœurs, le sang de Jésus-Christ dans nos pensées, le sang de Jésus-Christ sur chacun de nous. Que le sang de Jésus-Christ puisse purifier et nettoyer nos cœurs, nos pensées, Seigneur. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta visitation, Seigneur. Alléluia, remplis-nous de ta grâce. Alléluia, Seigneur. Ta grâce, ô Dieu, remplis nos cœurs de ta présence. Remplis notre conscience de ta sainte présence, de ta vérité. Alléluia, vraiment, Seigneur, touche-nous, saisis-nous. Saisis tous ceux qui sont connectés, Seigneur, par la puissance de ton esprit, que tu puisses renouveler, Seigneur, que tu puisses fortifier, que tu puisses encourager, Seigneur, tous ceux qui se connectent, Seigneur, tous ceux qui sont déjà connectés, mais ceux qui vont aussi se connecter, que tout soit fortifié dans ta présence, Seigneur, que tout soit encouragé, que tout soit restauré. Ce matin, nous nous levons contre toute forme de découragement. Nous nous levons contre tout esprit de découragement. Au nom puissant de Jésus-Christ, contre tout esprit de distraction, au nom puissant de Jésus-Christ, nous les déclarons liés et vaincus dans les vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre prière ce matin, Seigneur, c'est que tu puisses visiter nos cœurs, que tu puisses visiter notre entendement, visiter notre conscience. Alléluia. Alléluia. J'aimerais nous encourager au travers de la parole du Seigneur dans Romains chapitre 8 avant de poursuivre encore un court instant ensemble. Alléluia. Vous connaissez Romains chapitre 8 hein, qui nous parle de que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc je disais, hein, pour reprendre, que tous nous connaissons ce verset, donc 28 hein, de Romains chapitre 8, qui nous dit que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà, ce passage, nous pouvons l'utiliser par rapport aux circonstances que nous vivons, hein, par rapport à cette épidémie, cette épreuve hein, épidémique que nous vivons, qui nous oblige à rester chez nous, qui nous oblige à rester confinés. Utilisons ce temps pour le vaquer à la prière. Utilisons ce temps pour le racheter, comme dit Dieu, racheter le temps, car les jours sont mauvais. Nous vivons des jours mauvais. Maintenant, il a fallu être, j'ai envie de dire, emprisonné chez nous afin de réaliser véritablement que les jours sont mauvais. Combien de choses nous avons reportées à demain? Pour combien, peut-être qu'ils sont même déjà partis, le Seigneur a frappé à la porte de leur cœur, mais ils ont reporté à demain. Ils ont reporté à demain parce qu'ils préféraient jouir des plaisirs de la vie, parce qu'ils avaient d'autres rendez-vous qu'ils ont jugés plus importants que de prendre du temps avec Dieu, que de s'intéresser aux choses de Dieu. D'autres en Christ ont reporté à demain, probablement, et peut-être pas aussi, hein. Mais en tout cas, le Seigneur, s'il nous confine, s'il nous permet d'être confinés, il faut racheter le temps. Donc, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. D'autres peuvent trouver du temps pour se reposer. Moi, je le saisis également pour me reposer. Il y a un repos physique, mais il y a un repos spirituel aussi. Donc, utilisons, cherchons les deux. Donc, le verset 28 nous ramène à cela. Mais il y a quelque chose encore qui appuie dans Romains chapitre 8, hein, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il parle directement aux croyants. Il parle directement à ceux qui ont reçu Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Donc, il nous dit ceci, le Seigneur nous dit ceci, en remontant au verset, je vous le dis tout de suite, au verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas.
Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et il nous est dit encore aussi, il y a un encouragement à nous affectionner aux choses qui concernent le Seigneur. Le Seigneur nous dit de chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Voyez, nous sommes confinés, nous ne pouvons même pas aller dans certains magasins, certains types de divertissements et loisirs. Il ne reste que les pharmacies, il ne reste que les supermarchés, voilà, les magasins qui nous permettent de pouvoir satisfaire nos besoins essentiels. Il n'y a plus de place pour le superflu. Il n'y a plus de place pour le superficiel. Et c'est l'appel aussi du Seigneur. C'est que toi qui acceptais Christ, moi aussi qui acceptais Christ, peut-être aussi celui qui n'a pas encore reçu Christ, c'est qu'il se tourne vers Dieu déjà. Et ceux qui sont en Christ, qui s'affectionnent aux choses de l'esprit. Il n'y a pas de temps à perdre à s'affectionner aux choses de la chair, car tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. Romains 8, je me rends compte, est vraiment puissant. Alléluia. Parce que il y a une invitation encore. Donc, non seulement à nous affectionner aux choses de l'esprit, il y a aussi à se rendre disponible. Se rendre disponible pour Dieu, parce que le verset 18 dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Ça, c'est une promesse pour ceux qui sont en Christ. Parce qu'au verset 19, donc au verset 19, il est écrit hein, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Donc, il y a un encouragement pour toi et pour moi à servir Dieu, à prier. Amen. Nous là pour peupler le ciel, nous là pour parler des bonnes choses.